Docteur Vincent Traogatada, bonjour. Bonjour Axel, bonjour tout le monde internaute qui peut suivre nous, ça va vraiment aujourd'hui. Malgré l'appel qui lance à la ministre de l'Éducation hier pour faire annuler les examens de Grade 9, les examens nationaux du NCI, les examens ont bel et bien eu lieu ce matin. D'abord, un mot sur ce silence des autorités face à l'appel qui fait hier. Comment on réagit ce matin quand on trouve nos enfants à l'école? Oui, hier, moi, je fais un appel au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, pour renvoyer l'examen et moi, je donne ma raison qui fait moi, j'ai envie d'examiner à renvoyer. Parce qu'il y a une crise sanitaire et pas qu'il n'y a aucune urgence pour faire ça l'examen. Comme on dit hier, ça prend les parents et les élèves qui sont stressés. Mais le ministère a persisté et le final de l'avant, l'examen là. Mais aujourd'hui, ce qu'il peut trouver, gagne une photo que vous trouvez qui va des enfants dans l'école, des photos qu'on gagne dans des différentes écoles, que dans des enfants qui n'ont aucun social distancing, de tout ensemble, et en même temps, vous trouvez qui et l'autorité, hier, là, tu peux poser, tu peux reposer, tu viens d'un protocole bien établi, le d'un protocole, le social distancing, le sanitization, etc., etc. Mais que l'autorité là aussi. Est-ce qu'il y a une photo qui nous peut gagner là, une photo là qui manipule ça? Moi, je gagne une photo et vous trouvez qui, les enfants, vous êtes là, vous dans le social distancing, vous êtes dans l'ornier et vous perdez en classe, comme ça, à ce deuxième après-midi. Donc, dans bref, comment ça vous oubliez? Ça nous va parler. Troisième affaire, je veux dire social distancing dans vis, etc. Il est possible qu'il y ait dans vis, ça vous mette le minimum des enfants. Mais est-ce qu'il ça va nous apprendre dans Bista? Je fais une grande distance, nous connaissons vos enfants, de vous causer, de vous blaguer, de vous discuter, de vous patiner. Est-ce qu'il y est pour énorme? Ce qu'ils nous trouvaient dans l'école aujourd'hui, ça limite un doute le système de protocole qu'ils nous disent de mettre pour nos enfants qui ne parlent pas Bista, qui ne parlent pas Van, qui parlent l'école, dans l'école, pour la social distancing, etc., etc. Ça limite tout en doute. En question maintenant, est-ce qui se filme tout cela en place? Ça, pour mes affaires. Deuxième affaire qui m'a donné ma information, moi, je peux écouter un témoignage, c'est-à-dire là, un monsieur qui se fait poser, une collègue de Jeune Rouge, un capitaine, quand il dit oh, comme ça, un enfant peut composer l'examen de sa collègue là, et ce parent dans quarantaine. Il dit oh, le ministère de l'Éducation, il confirmait oui, c'est pas un enfant là dans quarantaine. Sont un parent dans la quarantaine. Mais si c'est un parent final dans la quarantaine, qui fait un petit enfant à la place? Là, la responsabilité, c'est la responsabilité du ministère de la Santé, qui fait des capables de prendre des 10 mounes, 3 10 mounes qui viennent en quarantaine depuis la case, et les enfants de toute la place. Maintenant, les enfants-là, ils viennent d'examen, les autres, ils viennent dans les autres, ils viennent d'examen, ils viennent d'ambis, ils viennent de son camarade, ils sont dans l'école, ils vont résoudre, parce que ça va dans l'école-là, on ne peut pas trouver social distancing. Là-bas, les finales composent ce premier papier, comment dire, un enfant normal. On va dire un enfant malade, non. On va dire tout est normal, les finales dans la classe, tu composes ce premier papier. Après, finale d'un break, l'information que tu as gagnée. Et suite à ça, quand ça monsieur là, il est dans l'école, il informe tout de suite. Là, qui ont tiré enfants là depuis là-bas, mettent-ils dans l'isolation de groupe, là, ils composent ce deuxième papier là-bas. Mais qui finit arriver depuis quand? Supposons, si nous espérons, il n'est pas pour ça, supposons sur notre parent une positive. Qui prend? Un gros problème. Et deuxième, est-ce que le ministère de la Santé fait une info au ministère de l'Éducation concernant ses enfants? Qui fait de quoi faire une info? Parce qu'il y a assez sérieux. Un enfant, s'il est positif dans l'école, on a un problème. On a un gros problème. Ça montre au bout que quand il y a une faille dans l'administration, quand il y a une laisser aller, c'est elle qui nous fait une tendée, qui a une belle photo qui nous prouve, mais elle a beaucoup de choses qui peuvent passer de côté. Gajador, il y a certains qui commentent ou prises de position hier et qui finissent dire que le fatality rate du virus du COVID-19 parmi les enfants, parmi les moins de 18 ans, est très, très faible. Il y a certaines statistiques aux États-Unis qui causent de 0,01% de bans enfants qui infectés, qui meurent de cela.
Et je suis avant cela comme argument pour dire que ou peut créer un peu de panique. Qui vous répond à ça, ben, Dimon qui vient dire ou que ben, les enfants, cette fatality rate, les faibles? C'est ça, nous ne parlons pas de fatality rate. Nous donnons l'exemple hier, dans un groupe d'âge qui est de nous, il y a 2-3 jours, qui est dans quarantaine, nous trouvons à peu près 50 enfants dans un groupe d'âge, là, ben, des enfants entre 10 à 15 ans, quoi, qui est dans quarantaine. 50 enfants qui représentent à peu près 20% de nombre de positifs qui peuvent faire traitement dans l'IRT. Bon, le misère est un peu qui arrive. Nous ne parlons pas de fatalité directe. Nous parlons de direct pour là. Un enfant, nous connaît quand des gains et infections, des cas asymptomatiques. Et beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes asymptomatiques. Et qui se perdent dans le transmettre ça dans une classe. Le transmettre ça dans le grand du monde. Mais là, il nous a un problème. Là, nous avons une fatalité directe. Nous parlons pas de fatalité directe. Vous voyez, un adieu, vous savez, tout ce qui a été exquise pour venir demain pour dire fatalité rate 2%, moins de 2%, alors dans les enfants, le fatalité rate est beaucoup moins, nous mettons dans les enfants sur le sol. Qui arrive les enfants là infectés, ils donnent ça à son papa, son grand-père, qui peut arriver là. Ça ne doit pas penser, ça va dire là. Moi, mon esprit, tout bien hier. Quel problème nous avons une crise sanitaire sans précédent. Nous avons une crise sanitaire contre le bien, beaucoup de cas. Et beaucoup d'enfants, moi, tu demandes. Qui fait un motif par NCC, tranche d'âge. Il n'y a rien de parti. Nous trouvons qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont malades. Et on peut dire, est-ce qui fait nous peut presser avec ça l'examen? Qui fait nous peut presser quand nous sommes capables d'attendre, nous laisser un peu tout coup dedans, après nous proposer. Nous parlons de fatalité rate, nous parlons de transmission rate, les enfants pour bien malade, pareil, pas grand dire, mais tu peux bien être malade. Tu peux bien être malade. Transmission qui nous a aidé. Et cette transmission-là, quand il y a le transmet, il va bien du monde. Quand ils vont dialyser, quand ils vont qui a mal d'équerre, quand ils vont qui prend encore un vaccin, vous connaissez ce problème? Et là, vous trouvez ce problème. Ça va dire qui peut causer ça là. Pendant qu'il y a une fatalité, il y a un problème capable d'avoir quand les enfants transmettent ça. Très bien, Dr. Gatador. Autre thème dans lequel vous finissez demander pour intervenir aujourd'hui dans vos rubriques, c'est encore une fois le ben, patient qui fait zut dialyser. Quel est l'argument qui vous envie d'avancer? Quelle est l'analyse qu'ils ont envie de faire sur les patients dialysés, Dr. Gatador? Oui, ce matin, j'ai eu un témoignage contre un homme qui était dialysé. J'ai eu dans quarantaine, dans un la salle, et resté en bas. Un homme, une vieille personne, un homme, il a beaucoup de maladies, et j'ai eu dans la salle, tout seul. Et ça va un grand homme là. Je n'ai pas habitué que ça se un grand monde, je suis content d'entourer une famille dans notre case. Je ne pas habitué à faire comme ça. Parce que si on prend ça du monde, il n'est pas encore une positif, hein? On prend lui, on amène lui dans une quarantaine, on met lui dans la salle, il pourrait s'aider. Grand matin, on passe, on check sa température, on check sa tension, tantôt pareil. Mais un du monde qui est dialysé, c'était un du monde qui faisait special attention. Ça, c'est un du monde qui a besoin de checker sa tension, on a besoin de checker sa lipide, on a besoin d'arrêter l'espace de poids et augmenter. Et vous avez besoin de checker si vous avez des problèmes. Et vous avez été, quand vous avez fait dialyse, vous avez été de tisser l'électrolyte sur l'humanité. Et ça, je dis, on a suivi dans le néphrologue. Premièrement, et deuxième d'affaire, dans sa centre de quarantaine, je ne dirais qu'il y en a tout dialysé dans cette centre. Mais combien de gens disent aussi dans la centre? Vous avez encore dit, deuxième d'affaire, est-ce qu'il peut contrôler le monde? Est-ce qu'ils ont assez de staff parce qu'ils vont dialyser devant une spéciale attention? Et récit Gedjou, oui ou non? D. Qui fait un peu mettre tout là-bas? Quand la loi 41 acte, il prévoit, pour qu'on lien ça plus tard, la loi 41 acte, where the quarantine officer considers that the quarantine person is in need of a medical treatment, the quarantine officer may request a specialist to examine the person in the quarantine facility and where necessary transfer him to the hospital on the advice of the donc qui vous pouvez demander qu'un néphrologue ressuscite en permanence et que ça groupe qui de dialyser qui est en quarantaine là non c'est qui mon père dit c'est une lettre un groupe de groupe qui dialysé qui est en quarantaine et qui fait une mesure d'abord pour tester eux qui sont positifs ou ça va tout en fait qui fait. Nous ne pouvons pas un savant de l'hôpital là, prendre son isolation ward, transformer le savant de l'hôpital là,
mettre toutes les lignes à distance, mettre un screen tout le monde, Banana reste là-bas, elle a son défaut dans l'hôpital, elle a tout son système dans l'hôpital, tu es besoin de dans l'hôpital. Et je connais, ça m'a dit, là, je connais dans l'hôpital que tu veux. Moi, je connais que là, on pense que nous faisons de la salle, mais je donne la salle, je vais tout seul. Ça pourrait être moi, ça pourrait être. Elle a une provision dans la loi. Qu'il ne fallait pas faire les provisions là, mais je donne la salle à là, et nous sommes de l'hôpital. Docteur Gajada, au cours des dernières 24 heures, nous avons l'actualité statistique à présent. Au cours des dernières 24 heures, nous avons 23 cas ou 23 plus 6, si vous voulez, si vous comptabilisez les 6 que le ministre de la Santé fin causé hier. 23, quand nous fin levé ce matin, le communiqué du ministère de la Santé fin tombé. C'est dans ce contexte-là qu'il nous a déconfiné dans 48 heures. Bon, nous pas pour écho sur la stratégie de ce déconfinement partiel. Mais il y a certains cas qui peuvent interpeller nous, particulièrement nous avons le receveur de UBS qui sortit dans zone rouge, qui finalement fait à la route pour lui Maïbouf. Comment pour faire ce contact tracing-là, Dr Gajador? Oui, ça a un gros problème là. Premièrement, dans le coup, ça travaillait avec une chose dans une rose, puis une sortie dans une rose pour le travail dans une autre place. Premièrement, il testait les positifs. D'abord, vous connaissez les positifs. Dans une rose, tous les jours, on va taper posé, mais mettre une rose partout. Qui fait avec une rose? Un, c'est bloqué, mais bloc. Mais deuxième, qui sortait. C'est retour en divin qui est positif là-bas, parce qu'on peut penser vivre ça. Retour en divin qui est positif, faire tester à lui-même. Bien ça. Je veux dire, on devait faire test pas. Je veux dire, on devait faire random test. Random test, je peux faire dans deux groupes. Beaucoup de tests, je peux faire. Là, faire le deuxième divin qui est positif là. Je dis, il y a une semaine passée, c'est un monsieur qui reste la caverne va croire, pour tirer un morceau en légumes, tout ça là-bas. Il reste dans une rose, dit. Ça va, je fais une guérison. Hein. Là, nous, il y a une deuxième en cours. Ici, si jamais je me dis ça. On a dit, on a fait un contrôle, on a fait tester, il est positif, il n'est pas bien. Mais qui fait le film de la zone rouge quand je fais une surveillance qui faisait faire. C'est un qui nous fait dire maintenant. Je tenais une surveillance passive pour dire, on a fait un traitement. Mais quand une surveillance active, mais la personne qui peut être guettée pour un peu de test, et je vais te faire un test. La surveillance à l'interne, illustrée encore un peu, illustrée plus par. Ce funérailles à Glenport qui finit vine un foyer en soi. Ça, c'est la surveillance à l'interne qui. Mais la surveillance, c'est tout. Mais la surveillance, c'est tout pour mon pensée, moi, à l'interne. Tout le temps, on me dit ça. Je vais être bloximé en dehors qui est arrivé. Je viens de trouver là. Je viens de commencer en l'équipe qui est arrivé comme un diplôme d'infecté là-bas. Où on a affecté ça? J'en rouge même ça. La funéraille, un funéraille dans un des temps comme ça pour que tu connais plus qu'ils disent, vous, pas besoin. Dans le groupe, plus qu'ils disent, ils sont contaminés. C'est plus qu'ils disent qu'ils sont contaminés, comme ils disent, c'est quand l'autorité fait. Quand ils disent qu'ils en charge le système pour venir qu'ils disent pas s'y acquitter. Quand ils disent, j'en rouge, ça. Il faut mettre j'en rouge. Pas mettre j'en rouge. Il faut mettre le cluster. Pas mettre. Laissez-les pour ça même. En dedans. Pas faire un lien avec le bloc décimé. Écoutez. Mais là, je me demande moi-même, est-ce que j'en rouge, la jeune mettez, elle a son effet, elle a son objectif, elle a fait une conclusion parce que. Tous les jours, nous mettons dans la zone rouge, dans 10 mounes de la zone rouge, qui a fait flou clinique positif. Zone rouge, flou clinique positif. Mais qui vient? Qui fait maintenant le bizarre flou clinique? Qui fait le bizarre COVID testing center? Quand on met un système en dedans, on peut dire, on peut faire un random testing, on peut faire un mass testing, mais comment ça va dire, on avait ça pas là? D'enfiler. Astier, ça contrôle là, lit, le problème, sur l'administration, tu connais, syndicat, tu dis, fais attention, quand on fait là. Lit finalement, on peut être contrôlé. Contrôler à bis, est-ce qu'il y a un social distancing et un massage? Comment les bougons ça? Explique-moi comment les bougons ça. Les bisavis prêts en ligne, causent en ligne, donnent son ticket, prennent son casque, retournent sur l'argent, il y a un par un. Si ils mettent son masque et qui tout passe à zé, service aux autres sanitizers, mais aux autres masques, est-ce que le risque n'est pas réduit à zéro? Le risque de transmission n'est pas réduit à zéro? Jamais le risque vient à zéro sans la méthode qu'ils vous mettez. Est-ce que ça va contrôler la fin de vaccin? Vous demandez-moi une question. Ban Fontanel, ça va être. On appelle ça un essential worker. Est-ce qu'ils ont fait vaccin? Est-ce que ban l'autorité, ça va compagnie là, il y a tout contrôlé ou bien faire vaccin avant ou après? Ça me va. Deuxième affaire.
esprit plus avant de contrôler là pas besoin de faire un check régulièrement avec parce que je prends en contact direct et ben ça c'est ça aussi me fait ok je paye le masque je vous mettez le masque mais les comptes ça donne l'argent c'est une poussée vous ça arrive vous avez besoin de prendre l'argent allez donnez de l'argent c'est une poussée qui arrive si vous m'avez dans le mais ça coule vous ça on est confiant avant de faire la poussée il y a pas de réglage donc qui va arriver nous payons zéro risque d'abus alors l'autorité passager les prendre aux précautions l'autorité aussi vous a prendre aux précautions pour un rapport et se travailler avec le travail faire un vaccin faire un check régulièrement donner du somas mettre sur sanitizers et réellement nous pouvons déclarer tous les côtés vous avez un ban et surveillance de prix et souvent nous êtes check ban pareil qu'on va là avec check ban frontaliers souvent là on a déjà fait check ban frontaliers dans le centre de vaccin le PCR qui fait passer toute sa bande du monde qui fait travailler dans le business régulièrement, après un certain temps. Mais c'est que si, tout ça là, vis-à-vis d'un protocole, pourquoi tu aurais un protocole, moi? Je vais avoir un protocole que je venir et par exemple, on était dans le protocole, tout ça là. Donc, dès qu'il y a un problème, il y a un problème firefighting. C'est un nouvel amour. Problème firefighting. Problème firefighting. Mais est-ce qu'il y a un protocole pour ça? Mais non. Très bien, Dr. Gajadom, pourquoi nous faire le tour de ban thème qui nous identifiait pour causer aujourd'hui? On se retrouve demain pour une autre analyse sanitaire. Demain, nous pourrons à la veille de l'entrée en vigueur du déconfinement par phase tel qu'annoncé par le Premier ministre. Demain, on est le 31 mars et nous rappelle que le 1er avril, le Premier ministre, ce plan de déconfinement peut rentrer en vigueur. On croit demain que ce sera un des thèmes forts qui nous pourra aborder. À demain, docteur. OK, merci Axel. Merci pour l'intérêt.